بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكرام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا، علمنا ما ينفعنا، اللهم بارك لنا في سعينا وزدنا حكمة وزدنا أدبا معك يا ربنا، حتى نفوز بمحبتك ونكون في حضرتك أبد الآباد يا رب العباد، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. Bonsoir. Aujourd'hui, en quelques mots, je vais vous citer quelques expressions que j'ai trouvées dans l'épître aux Corinthiens. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a un rapport avec nous, les musulmans, surtout qui parlent la langue arabe. Qu'est-ce qu'on dit? Frères, pour le jugement, ne soyez pas des enfants. Pour le mal, oui, soyez des petits-enfants. Mais pour le jugement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, ça c'est Paul qui passe. Je parlerai à ce peuple. Il me dit que Dieu a parlé. S'il est véridique, ça en rend. Je parlerai à ce peuple par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Oui, donc, les Juifs chrétiens sont des gens qui se rebellent contre Dieu. Ils se permettent de dire n'importe quoi à son droit, qui est l'un des trois éléments de la Trinité, qu'il a un fils chez les Juifs, il a un fils qui s'appelle Osaïe, que Dieu, il est pauvre, eux, ils sont riches, mais d'où on vient là? C'est pas par sa permission, c'est pas par sa volonté, par son don. Et puis, par quel biais vous avez cet argent-là? Ce sont des gentils, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de religion du Seigneur. Alors que la religion, elle émane d'Allah, l'unique Seigneur. Donc méfiez-vous, vous avez un Paul qui est peut-être s'est converti au christianisme, ou peut-être il joue le jeu, mais il reste un juif. Donc, un sale juif, mais pas un juif profondément, qui est fidèle à Dieu, qui sait défendre la religion de Dieu. Donc, méfiez-vous, Dieu va vous envoyer. Il l'a envoyé par une langue étrangère. Son message, c'est la langue arabe. Quand vous combattez, vous ne cessez de la combattre par tous les moyens, par tous les criminels, par tout l'argent sale, etc. Il y a un Coran qui a été révélé par la langue arabe. Et il y a un prophète, Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, qui est le sceau de tous les prophètes, que la paix d'Allah soit sur eux. Il a la langue arabe, il parle, il est un arabe, il parle arabe, et même Dieu, il dit, lorsque les Korachites ont voulu le vaincre dans le dialogue, dans la confrontation, Dieu leur a répondu, est-ce que c'est possible que ce soit un homme arabe qui apporte ce corps arabe de la part des gens non arabes. Arabi ou Ajami. Ajami, c'est-à-dire le non arabe. Donc, impossible, ce corps-là, il est là. Il est la parole divine intégralement. Elle ne veut pas être lésée, cette voix-là, la voix de Dieu. Nul
qu'un humain ne peut changer l'ordre des lettres. Et Dieu vous a défié en vous disant, si vous êtes véridique, apportez un Coran semblable au vrai Coran. Vous n'avez pas su répondre. Il a diminué le feu du chaland, du 10. 10 chapitres. Encore, c'est bouche cousue. Et à la fin, apportez un seul chapitre. Jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du temps, vous ne pourrez jamais faire ça. Parce que Dieu a dit, même si les djinns s'associent aux humains pour apporter quelque chose de semblable, ils ne pourront jamais faire ça. Il s'est adressé aux humains, il a dit, يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا بابا ولو اجتمعوا له وأن يسكبوا منه باب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمقدم ملزم وزاد نفسهم في التعليم مان لوسك المستيق والموت وبرا un petit bout de vos humains vous ne pourrez jamais le réacquérir, quelle que soit vos ruses, quelle que soit vos sciences. Donc, si vous voulez, le Coran ne peut pas être imité, il est en langue arabe, il est parvenu à vous, et il le sera pour toujours. Donc, vous n'avez aucun argument plausible de bon Dieu. Je vous conseille de bien étudier votre cas, parce que c'est un cas de gens à haut risque, méfiez-vous du cours divin. Et le plus tôt possible, il va vous frapper d'une façon impitoyable, d'une façon très sévère, rien que en comportant contre les gens qui se dressent maintenant comme des musulmans, même s'ils sont dévotés. Mais il y a quelques-uns qui sont justes, et grâce à ces justes-là, Dieu va vous donner une victoire écrasante contre vous et les bons. Les mauvais arabes et les faux musulmans, au salam, à la main de la main.